Alors déjà, c'est rien de tout, la guerre a commencé. La guerre de quoi? Avant tout, la guerre de la mairie de Paris. Anne Hidalgo, qui est déjà en place, face à président Macron, président Macron, il va peut-être Mounir Mahjoubi. Mounir Mahjoubi qui est sorti du gouvernement pour devenir peut-être maire de Paris, on ne sait pas. Et dimanche dernier, bonsoir, c'est qui? C'est Michel. Michel, bonsoir, vous allez bien, Michel? Dimanche, vous Oui, c'est savez, pour Michel, parler un peu. avant le dimanche matin, vous savez, dimanche qui était hier, il y avait une grande carnaval sur Champs-Élysées. En même temps que Macron, il voulait parler à 15h. Alors, Anne Hidalgo, il avait organisé un carnaval assez énorme sur Champs-Élysées. Et de l'autre côté, histoire de Total aussi, vous êtes au courant, qui ne va pas subventionner les jeux à la demande d'Anne Hidalgo. Ça, on va parler après. Mais puisque Michel, vous êtes là. C'est vous que vous avez la parole. On va vous écouter, Michel. Alors bonsoir, bonsoir Monsieur David Abassi. Bonsoir, C'est la Michel. première fois que j'ai votre antenne. Sinon j'avais parlé un peu avant avec Hervé surtout. Et donc voilà, je voyais qu'il y avait la liberté sur l'antenne. Il n'y a personne qui appelle. Alors voilà, je vais être bref. Je voulais parler surtout. Bah, j'ai écouté le dernier appel de Léa. Alors, à part ça, je ne sais pas de quoi on parle. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la paix dans le monde. Et pour ça, alors les Américains, les Russes, les Chinois doivent arriver à se mettre d'accord pour arrêter les armes. Alors, toujours. Les pays se font peur. Alors, on a peur de, je sais pas, des gens qu'on connaît pas. Alors, pour ça, alors, il faut acheter des armes. Alors, je trouve que ça, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Il vaudrait mieux faire des cadeaux plutôt quand on connaît pas on connaît pas les autres pour arriver à se sentir mieux. Et après, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que c'est des fois inquiétant quand j'ai lu qu'au Pakistan, le blasphème est puni de mort. Alors, qu'est-ce que c'est un blasphème, si vous pouvez me dire vite, assez brièvement, pour pas que je paye une note de téléphone. Critiquer Qu'est-ce l'islam. qu'un blasphème? Critiquer l'islam. Oui, d'accord, mais l'islam, c'est une religion. L'islam, c'est une religion. Je pense qu'on peut, on peut critiquer Dieu, ou critiquer, puisque moi mon Dieu, je peux lui dire ce que je veux. Je ne comprends pas tellement qu'est-ce que c'est ça. De devoir imposer quelque chose et de devoir punir de mort si on n'est pas d'accord. Mais alors là, je trouve que c'est une atteinte à la liberté. Ça, c'est inquiétant, quoi. Parce qu'on n'est pas obligé de penser tous pareil. Chacun peut avoir un Dieu. Moi, mon Dieu, il est gentil, je peux lui dire ce que je veux. Et même si je ne suis pas content, je peux lui dire des choses qui ne sont pas des louanges. Et voilà, alors, ça, je trouve que c'est très important quand même pour avoir un peuple libre avec des gens qui ne sont pas d'accord. Et puis voilà, qui pensent comme ils veulent. Et voilà, parce que moi, le Pakistan, je connais pas, j'ai jamais été là-bas. Et il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus souple. Sinon, ça, bah oui, ça fait peur, quoi. On peut pas dire ce qu'on pense. Hein. Et pourtant, je suis moi quelqu'un qui croit en Dieu et qui même plus, je pourrais dire. Qui pratique. Hein. Moi, je recherche la paix, la justice. Je ne veux plus voir de violence, de mal, de maladie, de tout.
convois d'horreur, de guerre, de famine. Il faut arriver à arranger tout ça pour retrouver la santé, avec l'harmonie, que tout le monde s'entraide. Et comme ça ira mieux que ce qui se passe avec l'armement, la course à oui, quoi, à l'armement, alors que ça coûte des. J'ai lu 4 000 milliards dans le monde, enfin, les Américains ont misé 716 milliards de dollars cette année. J'ai lu ça sur un petit article de Miklos qui nous a donné une photocopie hier. Alors, quand on voit le chiffre investi pour des armes de mort, je me dis vraiment, quel peuple? Comment est-ce que le peuple peut être aussi naïf de vouloir régler des problèmes avec des armes alors qu'il faut faire le contraire? Quand on a quelqu'un qu'on ne comprend pas, c'est avec des cadeaux qu'on peut arriver à s'arranger. C'est pas en éliminant les gens qu'on règle des problèmes. Voilà quoi. Il faut que chacun trouve la paix en soi. Parce que c'est ça qui fait que la demande du peuple est complètement, voilà, complètement, c'est guerrier, quoi. C'est la haine, c'est pas la paix, quoi. Alors, il faut que tout le monde puisse arriver à comprendre qu'on ne peut pas régler des problèmes par la force de cette manière-là. Oui, on peut peut-être par la force de l'esprit, en voulant convaincre, en pouvant arriver à expliquer avec des gens qui ont du mal à comprendre, et avec des arguments, avec le temps, la patience, etc., on peut arriver à faire changer le caractère, la mentalité, l'état d'esprit des personnes. Bon, il faut d'abord donner l'exemple. Voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire voilà, quoi, avec mes petits moyens, et c'est tout, hein. Donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que ça me coûte cher. Voilà. Alors à plus tard ou à bientôt. Et bonne, je suis à l'écoute et je laisse les autres parler. Bonsoir. Oui, Michel, ça y est, vous avez fini, Michel? Il est parti. Il est parti, bien sûr qu'il a fini. Merci Michel, ça c'était Michel sur 95.2 FM, radio ici maintenant. Voilà, libre. L'antenne est libre. Vous pouvez parler et dire ce que vous voulez, mais dans le cadre de respecter l'autre. La respect de l'autre est très importante, mes chers amis. La liberté s'arrête au moment que la liberté de l'autre, ça commence. Et même hier soir, jusqu'à 2 h du matin, moi je ne dors pas la nuit, c'est pas grave, hein. Jusqu'à 2 h du matin, en bas de mon fenêtre, les gens étaient très contents et amusants, puisqu'ils leur équipe de football, je ne sais pas quoi, avait gagné. Alors, les pétards, tirs de pistolet, klaxons de voiture, oh là 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 là, énorme! Mais seulement les enfants, les petits enfants de l'immeuble, ils avaient peur, puisque tirer par pistolet, ça c'était grave. Et une chose qui est très intéressante, j'appelle le policier après 2 h pour savoir s'ils sont au courant ou non. Vous voyez tellement de gentillesse qui existe chez les policiers. Ça, je vais le dire pour témoigner de la gentillesse de policiers, puisque vous parlez trop sur le dos des policiers. Je l'appelle après tout de suite. Il me dit, ah oui, monsieur, ils ont gagné. Je dis oui, mais 2 h, deuxièmement, klaxon, les freinages de voiture et
Tout ça, au moins, vous pouvez venir voir leur chef en disant que monsieur, ça y est, c'est beau. Après 30 minutes, 40 minutes, c'est beau. Même si vous voulez faire la musique, je ne sais pas quoi, faites-le, mais tirez. Ils pensaient que c'était des pétards. Non, pétards, c'était à part, mais ils tiraient. Ils tiraient avec le pistolet. Le policier, qui était tellement gentil, n'était pas présent non plus. Il ne savait pas si la route est fermée. Et il m'a demandé de donner un état de lieu. Vous voyez quelle gentillesse. On vous laisse faire ce que vous voulez. C'est la gentillesse de policier. Vous voyez, c'est la gentillesse. Et après, d'autres voisins, ils n'osaient pas de téléphoner. Madame, monsieur, pourquoi vous ne téléphonez pas? À quoi ça va servir? Mon numéro va être affiché, mon nom va être affiché, ils vont venir ici. Ça, c'était hier soir, malheureusement. Hier soir, quelque part à Paris. Vous voyez? C'est cette gentillesse. Après, vous n'allez pas voir, vous n'avez pas vu ce qui se passe dans les pays tiers-monde. Qui te font une petite brouille, frappe, prison, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Mais à Michel, s'il y a quelqu'un qui va répondre, sinon moi je vais le répondre tout à l'heure, Michel, je vais te répondre tes questions concernant l'islam et tout ça. S'il y a quelqu'un qui a le courage de nous appeler au 08 92 23 95, réponde à Michel. Avec plaisir, sinon David va le répondre tout à l'heure. Pourquoi pas? Voilà, ça va venir, vous voyez, ça va venir, hein? Ça va venir. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. J'aimerais bien.